jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher un morceau de fleurs. La chanson que je vais vous chanter, et qui à mon avis n'est pas assez chantée, c'est Les enfants de Maria. Et cette chanson est faite en pensant aux mères, surtout les mères, qui ont perdu un enfant pendant la guerre, pendant toutes les guerres les plus lâches, et qui sont meurtries, complètement dévastées par la mort de leur enfant. Et donc là, c'est un petit peu le thème de cette chanson, Les enfants de Maria, et le contexte, c'est la guerre civile espagnole. Ah ouais, elle est belle, celle-là. C'était bien le même sang. Ils grandirent sur cette terre, près de la Méditerranée. Ils grandirent dans la lumière, entre l'olive et l'oranger. C'est presque au jour de leurs 20 ans qu'éclata la guerre civile. L'Espagne rouge de sang criait dans un monde immobile. Les deux enfants de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'étaient pas du même combat. L'un était rouge et l'autre blanc. Qui des deux tira le premier? Le jour où les fusils parlèrent, et lequel des deux s'est tué sur le corps tout chaud de son frère. On ne sait pas tout ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouve ensemble, le blanc et le rouge mêlés, à même la terre et la cendre.
Si vous lui parlez de la guerre, si vous lui dites liberté, elle vous montrera la pierre où ses enfants sont enterrés. Maria avait deux enfants. C'était bien le même son.